main, essayer piéger en homme, sous tout si ou ça qui s'est oubliant. Bonsoir Lit, bonsoir à vous auditeurs et auditrices de l'Écho des femmes et un bonsoir spécial à vous qui suivez le portrait de la femme du jour ce soir. Nous avons une invitée de marque, une grande femme, ce soir qui répond au nom de Mia Pedra. Mia est une jeune femme, elle est une artiste. Elle vit à Paris, elle vient de sortir une single qui s'intitule « Tu es la raison ». Et Mia est là avec nous ce soir, elle va nous en parler davantage. Bonsoir Mia. Bonsoir, bonsoir à madame et bonsoir chers auditeurs et auditrices. Le plaisir est pour moi de me faire inviter en tout cas dans cette émission qui est pour moi... un cadeau d'anniversaire parce que pour cette année, c'est le mois de mon anniversaire, donc je l'ai fêté, c'est 12 décembre, donc voilà, c'est vraiment un cadeau pour moi d'être là. Oh mais bon anniversaire ma chère! Merci! Un plaisir de vous avoir avec nous à la radio Passion Culturelle. Alors parlez-nous un peu de vous, c'est qui est Mia Pedra? Qui est cette personne cachée derrière ce beau visage? Alors Mia Pedra, je suis Mia Pedra, originaire de la République démocratique du Congo. Je suis gospel singer, en français je suis chanteuse de gospel qui veut tout simplement dire l'évangile de Jésus-Christ. Donc, depuis ma prime jeunesse, j'ai été dans la chorale dans laquelle j'ai grandi et je servis le Seigneur Jésus-Christ qui est mon Seigneur et Sauveur. Merci Mia, c'est bon. Tu as une femme qui porte plusieurs chapeaux, si on peut le dire. Peux-tu nous dire pourquoi tu as intitulé ta première musique « Tu es la raison » ? Quelle est la raison de ce thème ? Alors, « Tu es la raison », c'est tout simplement le long de mon existence, depuis que j'existe, depuis que je suis personne sur cette terre, j'ai un peu examiné sur moi-même, sur ma vie. Alors, j'étais une fois dans le bus, une voix qui me parlait, Dieu est la raison. Dieu est la raison de l'existence de l'humanité. Dieu est l'existence de tout. C'est pourquoi dans le titre, je dis que tu es la note et moi, je suis la guitare. Tu es le rythme, mon rythme est le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Pourquoi je dis ça? Parce que une guitare ou un instrument ne peut pas bouger, ne peut pas donner le son sans qu'il y ait une personne derrière. Donc mes mouvements et tout ce que je fais, l'auteur de ces mouvements, l'auteur de ce qui se passe dans mon existence, c'est Jésus-Christ. Donc c'est tout simplement... Mais c'est bien Mia, c'est-à-dire que vous avez une relation étroite avec Dieu et vous communiquez assez souvent et c'est pourquoi tu as décidé de nommer ta musique « Tu es la raison », si je comprends bien.
Okay. Mais là, vous nous parlez de Dieu en tant que la raison de votre existence. D'où vient l'inspiration? Est-ce que c'est de Dieu seulement ou bien est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration? Non, je n'ai pas d'autre source d'inspiration. D'où me vient l'inspiration, c'est le Saint-Esprit. Mon témoignage est tellement fort, mais j'ai jamais eu l'occasion de donner ces témoignages. Mais si je peux brosser quelques mots concernant d'où me vient l'inspiration, de par ce que Dieu fait au quotidien dans mon existence, de tous les vallées dans lesquelles il m'a tiré, de toutes les épreuves sur lesquelles je suis passée et je suis là. Donc, si je suis là, ce n'est que grâce. Au fait, c'est un témoignage d'un Dieu invisible, mais palpable par qui je suis, parce que je vis au quotidien, parce que je. Pas seulement parce que, voilà, des fois quand je parle humilié dans cette façon et les gens me parlent que je suis un peu, je m'approprie Dieu. Non, mon histoire, c'est vraiment quelque chose avec Dieu. Il est comme, en fait, il est plus tangible dans mon existence. Donc, mon inspiration me vient de là. Elle me vient de ce que je vis, de ce que je pense, de ce que je vois autour de moi, mais surtout de ce que je vois entre. De ce que Dieu est pour l'humanité, de ce que Dieu est pour moi, de ce que Dieu est pour ma famille, de ce que Dieu veut, voilà. Mon inspiration vient de là. Merci, merci Mia. Une autre question que j'ai pour toi, Mia. Dis-nous en tant que femme qui apparemment vous mettez Dieu à la première place dans votre vie, dis-nous selon vous-même quelle importance qu'une femme doit accorder à Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Quel message avez-vous pour les autres femmes qui vous écoutent maintenant à propos de cette relation intime avec Dieu? Alors, excuse-moi. La place que la femme peut donner ou doit donner à Dieu, c'est la première place. Parce que depuis les temps jadis, depuis la Genèse, Dieu a eu une relation étroite avec la femme. Lorsqu'une femme veut être victorieuse dans son couple, dans son ministère ou dans tierce domaine de sa vie, elle associe Dieu. Elle sort toujours victorieuse, malgré, elle sort toujours victorieuse. Alors, ce que je conseillerais aux femmes, c'est vraiment de mettre Dieu en étroite, être avec Dieu en étroite relation. Pourquoi? Parce que la personne qui comprend mieux la femme, la personne qui comprend, on ne peut pas parler que de la femme, mais la personne qui comprend le fond, la douleur, la tristesse, le balbutiement de la femme, mieux que Dieu, il n'y en a pas. Vous comprenez? Et puis tout ce que la femme est appelée à faire, la femme est le socle de la vie. Des fois, nous, femmes, nous ne comprenons pas le rôle qu'on a dans cette humanité que Dieu nous a placée. Je vais rappeler ici, en m'appuyant sur la Bible, pour que Dieu puisse sauver l'humanité, il est passé par la femme. Pour que le monde soit dans les déboires, les diables étaient passés par la femme. Pour qu'une société soit bien debout, ça passe par la femme. Et la femme ne peut rien sans son fondement. Le fondement de la femme, c'est Dieu. Donc, la Bible dit aussi qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, cette cohésion, je dirais, cette intimité, cette brassage de la femme avec Dieu, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Et ça donne une bénédiction. Ça donne que la femme, elle a été toujours une référence. Voilà, si une femme est folle, alors c'est la société qui est folle. La femme est éduquée, c'est la société qui est éduquée. Donc, il faut mettre Dieu, en tout cas, c'est mon conseil, à la première place dans tous les domaines de la vie. Plus intelligent que le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Voilà. Merci Mia, très très bonne réponse. Et je pense que c'est une merveilleuse réponse. Pour la femme, c'est au milieu de tout le succès ou l'échec, comme tu l'as bien expliqué. L'humanité a connu la première défaite à travers une femme. Et Dieu a sauvé l'humanité, a racheté l'humanité à travers une femme. Je pense que c'est une très belle illustration qui montre l'importance de la femme dans la société elle-même. Mais là, ça me vient à l'idée un petit proverbe que j'entends assez souvent. On dit que ce que femme veut, Dieu le veut.
Vous partagez Amen. cette idée, Mia? Qu'en pensez-vous? Bien sûr que je partage cette idée. Pourquoi? Parce qu'il y a une référence dans la Bible qui dit, lorsque Sarah décida de renvoyer Agar, qui était sa servante, à qui elle avait conseillé de faire un enfant à Abraham parce qu'elle pensait qu'elle ne pouvait plus donner de descendance plutôt à Abraham. Et lorsqu'elle a décidé de la renvoyer, Abraham n'était pas d'accord. Mais Dieu dira à Abraham, fais ce que ta femme a dit. Donc, elle sait que la femme veut, Dieu veut. C'est pourquoi, lorsque la femme est plus conseillée par Dieu, elle amène plutôt le monde vers la paix, vers la stabilité, vers tout ce qui est bon. Voilà. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec cet adage qui dit, c'est que veut la femme, Dieu veut. Oh, c'est bon. Et ça aussi, il y a un proverbe moderne qu'on dit assez souvent. On dit derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Ça vraiment contribue à la signification de ce proverbe parce que, comme tu l'as bien expliqué, la femme, c'est la fondation, tout s'arrange autour de la femme. Tout à fait. La femme, c'est quelque chose d'important que l'humanité devrait chérir. Malheureusement, le tableau que nous brossons aujourd'hui, ça ne donne pas. La femme, elle n'est pas au centre. Mais par contre, parce que pendant un moment, il y a quand même la femme, je dirais la folie de la femme qui a été mise en évidence. Mais la Bible dit aussi qu'une femme sage bâtit sa maison. La sagesse, comme je peux encore le répéter une fois, la sagesse, la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc lorsque la femme est sage, cela veut dire lorsque la femme craint Dieu, la femme produit tacitement ce qu'il faut faire. La femme, elle est bâtisseuse. Vous voyez, une maison, elle peut avoir une fondation. Lorsqu'il y a les alentours de cette maison, elle ne peut, même si l'architecte il est hyper intelligent, vous voyez que ce projet-là ne va pas aboutir. Mais lorsqu'il y a une bâtisseuse, la femme doit connaître son identité, doit d'abord connaître qui elle est. Parce que lorsqu'on connaît son identité, on agit en conséquence de son identité. Lorsqu'on est lion, on ne peut pas aboyer parce qu'on n'attend pas l'aboiement d'un lion, mais on attend l'aboiement d'un chien. Vous voyez, d'une chienne, excusez-moi. Donc, c'est très important que la femme puisse savoir qui elle est. Vous voyez, si je peux un peu aller un peu plus loin, Jésus-Christ, lorsqu'il s'est trouvé devant la femme dont la loi de Moïse avait condamné, mais Jésus l'a dit, femme, va. Moi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Cela veut dire, Christ lui-même a remis la femme là où elle devait. Jésus-Christ, il a donné la promesse aux disciples qu'il reviendrait, qu'il serait ressuscité après 3 jours, mais c'est la femme qui est partie voir dans le sépulcre la résurrection de Christ. C'est la femme qui a parlé au monde et aux disciples plutôt que Jésus-Christ véritablement est ressuscité. Cela veut dire la femme, lorsqu'elle est consciente de qui elle est, elle produit la gloire. Il y a un mystère. Et ce mystère, elle s'est produit en contact avec Dieu. Donc voilà. C'est Voilà. bien. C'est un très, très bon message, Mia. Je pense que les femmes à travers le monde qui vous écoutent présentement seront très, très touchées et très motivées. Alors, comment peut-on accéder à ta musique, ton album? Quelle façon est-ce que c'est disponible sur les réseaux sociaux? Comment peut-on les accéder? La musique que tu viens de sortir, comment peut-on accéder cette musique? Le son que je viens de sortir, tu as raison, est disponible sur YouTube. Bientôt, ça sera sur iTunes et tous les points de téléchargement légal. C'est que sur Internet. Il n'y a pas, je n'ai pas sorti un CD, ce n'est qu'un single. Sur YouTube, en clip, c'est déjà disponible. Mia Pedra, c'est MYAPEDRA. Pedra, Mia Pedra. Donc, il n'y a pas les I dans le M après M. Donc, c'est MYA. Donc, voilà, c'est déjà disponible. Et C'est c'est bon. gratuit. Oh wow, c'est gratuit. C'est la meilleure partie, hein? C'est Ouais. c'est gratuit.
Bah, dis-nous, comment peut-on contacter Mia Pedra si une femme ou bien quelqu'un veut contacter Mia? Comment, quelle façon est-ce que Mia est disponible sur Facebook, sur Instagram? Quels sont les moyens qu'on peut contacter Mia Pedra? Alors, sur Instagram, je suis disponible sur Facebook aussi, à Pedra officielle, sur Instagram. Et sinon, je suis, en tout cas, je réponds à tous ceux qui m'écrivent par le moyen des réseaux sociaux, Messenger, MYA. Donc, vous tomberez pas sur moi-même, de toute manière, c'est moi-même qui gère tout ça. Donc, je suis là dispo. Ok, Mia, merci de partager ces informations et nous les aurons sur l'écran, disponibles sur l'écran pour que le public puisse les voir et vous contacter au besoin. Alors, si tu as un message pour le public, pour tes fans, quel sera ce message pour les femmes qui vous écoutent présentement? Quelle doit être leur raison? Quelle doit être la raison? Jésus-Christ, Dieu créateur, pour ceux qui n'aiment pas qu'on cite le nom de Jésus, ils pensent qu'on les offense, mais Jésus-Christ doit être la raison. Et moi, je suis disponible. Je suis disponible sur les réseaux sociaux. En tout cas, je les invite à partager ces clips. C'est mon premier single. À le partager, à le liker, à partager aussi autour d'eux. À être encouragé surtout que le lendemain sera meilleur. Pour ceux qui se trouvent un peu froissés par mille et une raisons, que le lendemain sera meilleur, que Jésus-Christ sera toujours au rendez-vous par rapport à la femme et l'humanité. Voilà. Je suis là, en tout cas. Encouragez-moi à parler là avec les cœurs, les cœurs. Mais bien sûr, Voilà. j'ai déjà écouté sur YouTube et je t'ai donné mon cœur. Déjà, j'ai aimé la musique. Je pense que c'est bon. La vidéo, c'est bien. Je pense que les auditeurs et auditrices qui vont avoir la chance de l'écouter vont apprécier, vont l'aimer aussi. Merci de partager avec nous ta raison. Et c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Et toute l'équipe de la radio Passion Culturelle vous souhaite du succès dans cette musique pour ce single. Et nous espérons que vous nous tiendrez au courant de tes progrès pour que nous continuons à vous encourager. Alors, merci d'avoir été avec nous ce soir, Mia Pedra. Merci d'être avec nous ce soir. Et est-ce qu'il y a un dernier mot pour le public avant de partir? En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'être là et que Dieu vous amène aussi loin, loin que possible. Donc voilà, merci beaucoup. J'ai pas Merci. entendu peut-être vos derniers mots. Oh, j'ai dit merci, j'ai dit toute l'équipe de la radio Passion Culturelle vous souhaite du succès et nous souhaitons que cette musique va aller très très loin, que le public va apprécier et que le monde entier aura la possibilité d'écouter cette grande musique. Merci de partager. Amen. Merci de partager tes idées avec nous, c'est un plaisir. Et nous sommes ouverts. Si vous voulez participer une prochaine fois, vous pouvez nous contacter à la Radio Passion Culturelle. Ce sera un plaisir pour nous de vous accueillir une prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas. Les Non, gars, merci. Merci, bonne soirée. Merci à vous tous d'avoir suivi le portrait de la femme du jour ce soir. Nous vous disons bonsoir et à la semaine prochaine pour une plus belle rubrique. Portrait de la femme du jour. Au revoir. Tu es la raison de ma vie, le soleil qui éclaire mes jours. Force de mon âme, l'espoir de mon lendemain.
El Shaddai. Tu es la note et moi je suis la guitare. Tu es mon rythme, les doré, mi fa sol la si do. Et moi je suis l'instrument. Date bo, meilleur ami. Lorsque j'ai babu sur le mot, tu comprends. Lorsque je m'abuse sur le mot, tu m'entends. Les pourquoi de ma victoire, tu es mon alibi. Et Shada, 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 Shada. Je suis marqué par des traces d'un amour indélébile, d'une histoire idyllique. Avec toi, Jésus-Christ, tu es mon chant qui me fait valser. Oh, toi, meilleur ami. Les solfèges, tu es le rire.